Aliénor, premier sang, jour 1, heure 1, premier fossile. En dormant. Un petit daptocéphalus. Okay. Bah, montre-nous ce qu'il y a quand même. Yeah, that's good. Ok, show the snout. Non, bah, en français, tu peux le faire en français. C'est le bout du nez, avec les restes de canine ici. En fait, on voit que l'intérieur du nez parce que tout le reste est petit déjà. D'accord, il y a une petite mâchoire que Roger tient ici. Donc, la mâchoire est spatulée, typiquement comme Daptocéphalus. Ce qui indique qu'on est bien dans le Permien et que la petite colline qui est au-dessus de la tête d'Aliénor, là-bas, c'est du Trias. Donc, quelque part entre ici et là-bas, il y a une limite Permien-Trias. Et ça, c'est cool. Vue sur le terrain. Pour toi, Cédric, en direct de Viston, le ratel. Jour 1, soir venu. On a dû s'absenter même pas 2 heures, mais on a commis l'erreur de laisser la porte ouverte. Et du coup, il y a une armée de singes qui est venue nous bouffer tout notre pain et qui nous a flingué toutes nos bières. Regardez ça, le pack de bière est ruiné. Comment va-t-on survivre? Donc jour 2, on a fait une bonne journée aujourd'hui. On a collecté pas mal de fossiles, dont le museau d'un petit Moscorinus. Non, c'est pas lui. Je vais montrer une petite photo. Un beau museau de Moscorinus, pas mal de listrosaures, mais surtout... le fossile qu'on a là devant nous, qui paye pas trop de mine, mais en fait ce n'est pas un listrosaure, et c'est ça qui est vachement bien. Alors listrosaure, on le reconnaît bien parce qu'il a son museau tordu, donc je peux vous montrer une photo là maintenant. Et son petit museau tordu, c'est très caractéristique, et listrosaure, c'est le dicynodonte qu'on retrouve quand on est dans le Trias. Donc dans le Trias, il y a que du... enfin dans le début du Trias, il y a que du listrosaure. Et ce dicynodonte là, que Aliénor a trouvé, encore une fois, jour 2, Aliénor est encore l'héroïne du jour. Ce dicynodonte là, il n'a pas le museau tordu, donc Aliénor, est-ce que tu peux nous montrer Oui, donc le museau est là, donc, ici. On l'a à peu près de profil en fait, ouais. Ici, avec le museau ici, l'avant ici, et l'arrière là. Là on a le museau, ici, là on a l'œil. Et là, on a la fenêtre temporale qui est ici. Et là, entre les deux, on a la barre post-orbitaire. Ouais, la barre post-orbitaire qui est là. Ouais. La défense aussi, est-ce que tu peux nous montrer? Là, c'est l'espèce de barre jaune clair là, qui est en bas. Donc, on a la défense typique des dicynodontes et le sommet du crâne, tu montrais, qui se trouve là. Voilà. Donc là, on a typiquement un dicynodonte qui n'a pas du tout le museau tordu. Donc ce dicynodonte n'est pas listrosaurus. Donc à lui tout seul, il nous montre qu'on n'est pas dans le Trias. Parce qu'il y a des listrosaurus dans le Permien, mais par contre, il n'y a pas d'autres dicynodontes que listrosaurus dans le Trias. Donc vu qu'on a un dicynodonte qui n'est pas listrosaurus, on est forcément dans le Permien. Et ça, c'est vachement important parce que, encore une fois, nous, ce qu'on recherche, c'est une limite Permien-Trias. Et on sait que... les collines qu'on voit un peu plus loin là-bas, elles sont Trias. Et donc là, si on sait qu'ici on est dans le Permien, encore une fois, on a la preuve que la limite Permien-Trias est quelque part entre ici et là-bas. Donc voilà, on espère à demain pour de nouvelles découvertes. Ciao! Donc on est à Oviston, jour 3. Toujours à la recherche de la limite Permien-Trias. Là, ce qu'on a donc, c'est un crâne de Listrosaurus murei. Donc, Listrosaurus murei, c'est un des petits listrosaures qu'on voit au Trias. Donc voilà, là, ça c'est un spécimen mieux préservé, même vu. Donc le museau, ici vous pouvez voir l'œil, la fosse temporale ici. Même ici, vous avez le foramen pinéal qui se trouve là. Et évidemment les défenses. Donc là, vous avez une défense ici. La défense d'âme. Donc ce listrosaurus murei, c'est un petit listrosaurus, c'est parce que après la limite Permien-Trias, il y a un effet Lilliput qui fait que les listrosaurus sont devenus plus petits. Donc avant la limite Permien-Trias, les listrosaurus sont très gros, c'est le listrosaure McKegai,
Et après, la limite par la tria, ça devient petit. Donc celui-là, c'est la preuve qu'on est ici dans le trias, donc maintenant on est au-dessus de la limite par la trias. Museau de Lystrosaurus déclivis. On peut dire la différence avec Lystrosaurus murei, qui est l'autre lystrosaure du trias, parce qu'il a trois crêtes sur le museau. Là, vous voyez la bouche. Et en plus des trois crêtes sur le museau, son museau est très très long. Vous voyez là, vous avez l'œil, et là, il y a un museau qui est très très long comparé au murei. Jour 3, dans notre quête effrénée vers la limite Permien-Trias, on s'est dirigé vers ces affleurements ici qui sont cartographiés comme étant Permien. Donc on espérait trouver au moins le passage vers la limite Permien-Trias tout en haut de ces collines. Et le premier fossile qu'on trouve en arrivant, c'est lui. Alors, si vous le reconnaissez pas, c'est le même que celui-là. Si vous vous rappelez, c'était ce matin pour nous. Donc le museau tordu, l'œil, le nez, voilà, le museau tordu, l'œil, le nez. C'est définitivement un Lystrosaurus murei, donc exactement le même que le moulage que je tiens là. Lystrosaurus murei qui n'existe que dans le Trias inférieur. Donc ce petit fossile est la preuve que la carte géologique est fausse. Voilà. Merci la carte géologique. Jour 3 toujours. Donc évidemment, il y en a qui ont dû se demander pourquoi on pense que c'est du Trias et pourquoi on pense que ce lystrosaure ne serait pas un lystrosaure du Permien. Bon, déjà parce que les lystrosaures du Permien, on les connaît, c'est Lystrosaurus makegai, qui sont beaucoup plus gros. Mais surtout, c'est parce que la géologie. En fait, la géologie des roches derrière moi, là, que vous voyez, c'est typiquement une géologie de la Katberg Formation, donc la formation Katberg. Et le géologue qui est avec nous, le professeur Roger Smith, grand spécialiste de la limite Permien-Trias, quand on est arrivé là et qu'on lui a dit que c'était cartographié Permien, il avait un peu de mal à se repérer parce que il ne reconnaissait rien dans le Permien en fait. Et c'est quand même son boulot de savoir s'y retrouver dans ses couches. Donc il ne reconnaissait rien de ce qu'il voyait autour de lui et il nous dit si c'est du Permien, c'est du Permien très bizarre. Et donc à partir du moment où je lui ai montré le Lystrosaurus, il a dit c'est Katberg, et maintenant tout devient plus clair. Donc ça explique notamment pourquoi on a un conglomérat tout à la base. Donc tout à la base de la formation là, près du lac, il y a un conglomérat. Donc ça c'est ce qu'on trouve à la base de la formation Katberg. Et ça explique pourquoi le fossile que j'ai trouvé tout à l'heure, il était dans un genre de nodule rougeâtre. Parce que tout là-haut, pas tout là-haut, mais en dessous de la couche de grès là, dans la Katberg Formation en tout cas, il y a une couche de nodule rouge qui est riche en fossiles. Donc ce fossile avait dû dévaler la pente depuis cette couche rouge là-haut. Donc si c'est un lystrosaure du Permien, c'est un lystrosaure du Permien dans du Permien qui n'a aucun sens. Par contre, si on est effectivement dans le Trias, tout fait sens. Et c'est pour ça qu'on part sur du Trias et pas sur un lystrosaure du Permien. Voilà. J'espère que c'est plus clair après cette explication. Voilà, la couche rouge dont je parlais tout à l'heure, elle est là. Vous voyez quelques côtes ici et une colonne vertébrale tout en place ici, avec un morceau d'os ici qui était sûrement le crâne. Donc voilà, c'est cette fameuse couche rouge qui contient beaucoup d'os et d'où le crâne provient très certainement. Rencontre avec une veuve noire. C'est pour ça qu'on utilise son marteau pour retourner les cailloux. C'est pour pas mettre les doigts dans ce genre de bestiole. Jour 4, et voilà, ça y est, après 4 jours à la chercher, la voilà enfin, la limite Permien-Trias, donc l'événement le plus significatif de toute l'histoire du vivant. 90% des espèces qui se sont éteintes,
c'est ici. Ici, c'est le Permien. Là, c'est le Trias. On l'a trouvé. Jour 5, ferme de Chalkwikskral, près du barrage de l'Orange River. Regardez la beauté de ces affleurements. Alors c'est complètement du Permien apparemment, puisque tout ce qu'on trouve jusqu'à présent c'est des gros dicynodontes, et donc ça veut dire que l'effet Lilliput qui caractérise la limite Permien-Trias n'a pas encore eu lieu. Donc la limite Permien-Trias, en fait, elle est érodée, elle est au-dessus, dans le ciel. Mais on trouve beaucoup de fossiles de gros dicynodontes. Et ça, c'est quand même pas mal. Donc je pense qu'on va passer une bonne journée dans le Permien, dans du bon vieux Permien, avant de retourner à notre limite Permien-Trias favorite. Jour 5, petit développement sur la ferme de Chalkwikskral. Donc la colline que vous voyez là-bas, là, on y a trouvé du Daptocéphalus, ce qui veut dire qu'on est dans le Permien sur cette colline. On l'a trouvé au sommet, donc ça veut dire que toute la colline est définitivement datée du Permien, donc c'est la vieille faune d'avant la crise. Et par contre, quand on bouge de ce côté-là, sur ces montagnes un peu plus hautes, là, vous voyez ici, à cet endroit-là, juste en dessous du sommet, on vient de trouver du Lystrosaurus. Donc et c'est le petit Lystrosaurus, pas le gros. Ce qui veut dire qu'il y a eu l'effet Lilliput de la crise Permien-Trias qui est passé par là. Donc si on aligne un peu les deux endroits, vous pouvez voir qu'en gros la limite Permien-Trias, en partant du principe que les couches sont bien horizontales, évidemment, la limite Permien-Trias va se trouver à peu près à cette hauteur-là. Donc pile là, vous voyez, entre le violet et le bleu. Je vais zoomer un peu, vous voyez, et ces couches violettes, ça c'est la Palinkloof, le Palinkloof member, qui est donc où se situe la limite Permien-Trias, qui est juste en haut là, et au-dessus en bleu gris avec les grosses tranches que vous voyez ici de grès, c'est la Catberg Formation, et là on est sur on est donc sur le Trias. Donc je pense que là, on a en fait, contrairement à ce que je disais tout à l'heure, on aurait un enregistrement complet et assez clair de la limite Permien-Trias à cet endroit-là. Et au fait, de ce côté-là, il y a un truc géologiquement très intéressant. Vous voyez cette roche-là, ces blocs massifs, c'est ce qu'on appelle de la dolérite, donc c'est de la roche volcanique. C'est de la roche volcanique et vous pouvez voir là, elle se prolonge dans le paysage, comme ça, jusqu'au lac que vous voyez là-bas. Donc tout ça là, cette rangée là, c'est de la roche volcanique jusqu'ici. Donc ça s'appelle un dike. C'est un dike de lave en fait qui s'est inséré verticalement, alors que vous voyez toute la stratigraphie ici est horizontale. Et là vous avez cette couche verticale de dike qui est en fait de la roche volcanique qui s'est injectée au Jurassique. Bon alors pour les deux du fond en train de rire parce qu'ils pensent que le mot dike ça veut dire bite et que du coup c'est une bite qui pénètre dans la roche, non c'est pas ça, dike c'est de la roche, c'est un magma intrusif qui s'est inséré dans la roche, donc si vous voulez que la blague dike dike serve à quelque chose, bah vous pouvez toujours vous rappeler que effectivement c'est du magma intrusif, donc ça ne se dépose pas en même temps que les roches sédimentaires que vous pouvez voir là, ça arrive après et ça dérange les roches sédimentaires. Donc vous pouvez voir là l'effet que le dike a sur la roche. Donc de ce côté-ci, vous avez de la roche sédimentaire déposée horizontalement. On peut encore voir le plan de dépôt bien horizontal. Vous pouvez voir là-haut aussi le grès qui est bien à l'horizontale. Et en fait, en vous rapprochant du dike, vous voyez que ces roches sédimentaires, hop, elles sont maintenant verticales dans la même direction
que le dike. D'ailleurs, je peux vous montrer à quel point il est vertical. Là, dike, voilà, oh, je vais me tuer. Je vais me tuer pour vous montrer juste que le dike est bien vertical, vous voyez. Donc, en fait, cette roche sédimentaire, c'est de la roche qui a été métamorphisée par le dike. Elle a fondu et elle a été entraînée vers le haut par le dike quand il est remonté. Donc, c'est ça l'effet du dike sur la roche sédimentaire. Non seulement il l'a fait fondre, mais il la métamorphise et après il change son plan de dépôt, puisque évidemment elle est remobilisée une fois qu'elle a fondu. Jour 6, vous regardez en ce moment le village d'Oviston, vu du plus haut point de la réserve d'Oviston. Donc la plus haute colline de la réserve où je me trouve actuellement. Alors, c'est juste pour faire le point sur le nombre de fossiles qu'on a trouvé, à savoir à peu près une cinquantaine, et il y en a encore un peu plus qu'on est en train de trouver en ce moment. C'est la dernière journée aujourd'hui, dernière journée de collecte. Vous pouvez voir en bas Aliénor et Nicoline, toutes petites ici, en train de chercher des fossiles. Donc oui, une bonne cinquantaine de fossiles sur la réserve et alentour qui ont une importance, non pas seulement scientifique, on fera le point sur l'importance scientifique de ces fossiles, mais qui ont aussi une importance économique, parce que ce petit village d'Oviston, c'est une petite ville, hein, d'Oviston, en fait, il a été construit dans les années 70 dans un seul but. C'était celui de loger les ouvriers qui ont construit un tunnel qui permettait d'apporter les eaux de ce lac de barrage jusque dans la rivière qui s'appelle la Fish River et qui a tendance à s'assécher assez rapidement à cause de l'agriculture. Donc la seule raison pour laquelle ce village ici d'Oviston existe, c'est parce que dans les années 70, en gros, ils ont mis en service ce lac de barrage, le lac de Rapip, et que ils ont construit le tunnel à cet emplacement. Et en fait, depuis cette époque-là, le village est resté, mais il n'y a rien à faire, il n'y a plus d'emploi. Donc c'est un village qui est très très pauvre et qui ne survit que parce que vous avez cette réserve naturelle qui est une attraction touristique. On peut voir que le paysage est absolument magnifique. Quand j'arrive à le cadrer, alors il y a pas mal de vent, ça doit s'entendre certainement, mais du coup c'est dur de rester stable, j'essaie de me mettre à l'abri. Voilà. Donc c'est grâce à cette réserve naturelle donc, que le village survit avec les maigres revenus du tourisme. Il n'y a qu'une seule route qui vient à Oviston, donc c'est pas non plus un grand centre économique et touristique. La première, l'autoroute, elle est tout là-bas. Si vous voyez cette grosse colline là en conique, l'autoroute elle est tout là-bas, donc elle est quand même assez loin. C'est l'autoroute qui relie Johannesburg au Cap. Et donc l'intérêt de nos fossiles dans cette histoire, c'est que nos fossiles, en fait, ils vont peut-être pouvoir participer au paléotourisme, c'est-à-dire ouvrir une attraction paléotouristique. Donc c'est pour ça que certains de nos fossiles n'ont pas été collectés, on les a laissés en place. Je vous montrerai un gros Lystrosaurus mackayga, il y a un squelette à peu près complet qu'on a laissé en place. Ces fossiles, on les laisse en place pour que en fait, les rangers de la réserve d'Oviston puissent les montrer aux gens qui viennent visiter et que ça puisse éventuellement attirer un peu plus de gens. Donc ils pourront faire ils montreront les animaux qui vivent dans la réserve. Il y a beaucoup d'animaux qui vivent dans cette réserve, notamment des élans, des James Buck. J'ai même vu un petit sagittaire à un moment, un petit rapace bien sympathique et assez rare. Donc y a un peu de tourisme, et le fait d'avoir les fossiles en plus, ça va rajouter un atout à tout ça et ça va aider peut-être le village d'Oviston à vivre un peu mieux. Donc les fossiles, c'est pas seulement un intérêt scientifique, ça a aussi un intérêt économique. Et peut-être que si un jour ils arrivent à faire un peu d'argent et à créer quelques emplois grâce à nos fossiles, ce sera une conséquence bien heureuse du projet Trinax qui a eu lieu l'année dernière. Si vous vous rappelez du projet Trinax, quand on a fait venir Cédric, c'est là qu'on a découvert tous ces fossiles. Enfin, c'est là qu'on a découvert qu'à Oviston, il y avait des fossiles. Donc voilà, ce sera une conséquence bien heureuse et peut-être lointaine, parce qu'évidemment, il va falloir des décisions politiques pour soutenir tout ça.
Donc c'est pas fait encore, mais ça se fera peut-être. Et si ça se fait un jour, bah, c'est une jolie histoire qu'on pourra raconter comment Cédric Jurassic a permis au petit village de Viston d'avoir quelques emplois en plus. Jour 6, donc ça y est, mission accomplie à Oviston, dans le Cap de l'Est, en Afrique du Sud. On est venu chercher la limite Permien-Trias, donc qui marque la crise d'extinction entre le Permien et le Trias, entre le Paléozoïque et le Mésozoïque. Une crise tellement importante qu'elle a tué 90% des espèces qui vivaient à l'époque, et plus de 70% des familles, si je ne m'abuse. Et donc cette limite Permien-Trias, eh bien, elle est là. Elle est là, c'est la limite entre le violet ici et le bleu là. Je ne sais pas exactement comment sont les couleurs sur l'image, mais c'est la limite entre le violet ici et le bleu là, ou le bleu-gris là. C'est la limite Permien-Trias. Avant ça, avant ce voyage, ce field trip, ces fouilles que nous avons entamées ici, on ne savait pas trop où la limite Permien-Trias était située. Donc on avait trouvé à Oviston, donc sur ce site, sur la réserve naturelle, on avait trouvé du gros Lystrosaurus vers le lac. Donc je vais vous montrer, là il y a un arbre, mais en gros on avait trouvé du gros Lystrosaurus dans ces terrains plats que vous voyez derrière moi, près des bords du lac. Et là-haut, on avait trouvé de petits Lystrosaurus. Et ça nous indiquait qu'il y avait ce qu'on appelle l'effet Lilliput, c'est-à-dire le rétrécissement de la taille des Lystrosaures au cours de la limite Permien-Trias. Ça nous indiquait qu'il avait lieu quelque part entre ces terrains plats et le sommet de ces collines. Et avec, ici, on avait trouvé aussi un Lystrosaure de taille relativement intermédiaire. Donc ce phénomène de rétrécissement, il a des conséquences écologiques, hein. C'est juste que comme les Lystrosaures sont plus rapidement adultes, ils se reproduisent plus vite. Et puis comme ils sont plus petits, ils ont besoin de moins de nourriture. Donc tout ça leur a permis de survivre. C'est pour ça que c'est un des seuls taxons qui a survécu. Ça et aussi le fait qu'ils étaient capables de faire des terriers. Donc on avait tout ce qu'on avait, c'était ça. Avec la possibilité qu'entre deux, il y ait une limite Permien-Trias, qu'elle ne soit pas érodée, parce qu'elle aurait pu s'éroder aussi, cette limite Permien-Trias. Et avec la possibilité aussi d'en trouver ailleurs des limites Permien-Trias. Et maintenant, on sait qu'il y a des limites Permien-Trias non seulement ici à Oviston, mais aussi là-bas. Alors, si vous regardez, hop, la montagne qui est juste au-dessus de mon doigt ici, tout au sommet de cette petite colline là, il y a aussi une limite Permien-Trias. Donc, on a réussi à cartographier la limite Permien-Trias un peu partout dans la région, au moins sur tous les bords du lac. On a pu constater que la carte géologique était fausse par endroits, notamment dans la ville de Viston, qui est indiquée comme étant Permien alors qu'elle est complètement Trias. On y a trouvé de très jolis Lystrosaurus de petite taille. Et alors maintenant, la limite Permien-Trias, comment est-ce qu'on la voit sur le terrain? À quoi est-ce que ça correspond? Bon, bah ici, je peux vous montrer ce fossile. Donc ce fossile-là, c'est celui d'un Lystrosaure. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un crâne qui n'est pas très joli, avec une petite colonne vertébrale là. Alors ce petit crâne, c'est pas le plus joli du monde, hein, mais bon, il a quand même une bonne portion de squelette avec lui, tout de même. C'est pas le plus joli du monde, alors du coup, je vous ai mis celui-là à côté, qui est un moulage, afin d'un peu mieux comprendre ce qui se passe. Donc en gros, ici, si vous comparez à ce Lystrosaure là, comme ça, là, vous avez l'œil, ici, que vous voyez là, ici. Là, vous avez le museau qui est tordu vers l'arrière avec la narine qui est là. Donc cette narine-là, elle est ici. Là, vous avez la défense, donc la défense typique des dicynodontes. Et là, à l'arrière, vous avez cette barre-ci qui est le carré qui s'articule avec la mâchoire qui doit se trouver normalement ici. Donc là, vous avez la ligne de la mâchoire inférieure qui passe là. Donc c'est un crâne de Lystrosaure avec des morceaux de squelette relativement complets. Et c'est un Lystrosaurus McKegai, c'est la grosse variété de Lystrosaurus qu'on rencontre avant la crise Permien-Trias. Et ensuite, quand on monte et qu'on franchit donc cette couche bleue là-bas que je vous ai montré tout à l'heure, eh ben on trouve ce genre de Lystrosaurus là, voilà.
qui est, comme vous pouvez le voir, beaucoup plus petit. Donc, enfin, c'est pas un genre, c'est une autre espèce de Lystrosaurus qui s'appelle le Lystrosaurus Murrayi. Et donc, c'est ça l'effet Lilliput, c'est-à-dire qu'on passe de très gros dicynodontes à de petits dicynodontes. Et en général, eh bien, c'est le pattern qu'on voit à travers cette crise, à savoir que les thérapsides, en fait, avant cette limite Permien-Trias, donc dans ces couches ici que vous voyez en pourpre, en violet, les thérapsides sont dominants. Donc on y trouve de gros Daptocephalus, qui sont des gros herbivores, des gros dicynodontes. On y trouve de gros Lystrosaurus, comme je viens de vous montrer, le McKegai. Et on y trouve de gros prédateurs qu'on appelle les Gorgonopsiens. Et ensuite, quand on monte là-haut dans le Permien, enfin dans le Trias, pardon, et ben là, on va se mettre à rencontrer une toute nouvelle faune, une faune qui va être notamment dominée par des prédateurs archosauromorphes, donc les ancêtres des dinosaures. Donc ici, à partir de ces couches bleues que vous voyez là, que vous voyez ici, là, en bas, et à travers toutes ces autres couches que vous voyez au-dessus, là, vous voyez des gros blocs de grès, et ben tout ça devient dominé soudainement par des archosaures. Donc les archosauromorphes, comme par exemple Proterozoucus, Erythrozoucus, proviennent de ces couches-là. Alors ici à Oviston, on n'a pas encore trouvé de crâne, bien qu'il reste encore la fin de la journée pour y arriver. On n'a pas encore trouvé d'archosauromorphes fossiles. Par contre, je vous ai déjà montré les coprolites de ces archosauriformes, puisqu'on en a trouvé une, et qui symbolise très bien en fait le changement de faune Permien-Trias, puisque c'est une coprolite d'archosauriforme qui contient un thérapside, un tout petit thérapside qui s'appelle tétracynodon, qui est un thérocéphale et qui est finalement assez représentatif de la taille générale des thérapsides après la crise Permien-Trias, c'est-à-dire qu'ils deviennent absolument minuscules et c'est eux qui deviennent les proies. Ils passent de prédateurs, donc avec les gorgonopsiens, ils deviennent des proies des archosauriformes. Donc voilà comment se traduit cette limite Permien-Trias sur le terrain, donc ce changement de couleur très typique, et on peut lire ce changement de faune par les fossiles. Et ici, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des petits bouts de papier toilette un peu partout. C'est pas parce qu'on est des gros dégueulasses, c'est parce que chaque morceau de papier toilette représente en fait un fossile qui a été découvert in situ, c'est-à-dire un fossile sur place. Et donc on peut lire le changement de faune à travers ces fossiles qu'on a découverts à travers la limite Permien-Trias. Donc par exemple, je peux vous montrer ici, je vous ai déjà montré le gros McKegai, mais ici je peux vous montrer Lystrosaurus déclivis. Donc Lystrosaurus déclivis qui a la taille intermédiaire, donc McKegai il est là-bas, tout en bas de la section. Et ici vous avez Lystrosaurus déclivis, qui est le dicynodonte de taille intermédiaire entre McKegai et Murrayi. Donc là vous avez la mâchoire inférieure ici. Ça c'est la mâchoire inférieure, c'est le bec inférieur. Et en taille il est intermédiaire entre McKegai et Murrayi. Et il est plus près évidemment de la limite Permien-Trias qui se trouve juste là. Donc vraiment il n'y a quasiment rien. Il y a quasiment rien entre le dépôt de ce déclivis et le dépôt de la couche entre le Permien et le Trias. Donc voilà le moment le plus significatif de toute l'histoire de l'évolution de la vie. C'est celui-ci, c'est celui qui a marqué le changement de la domination, le début de la domination des dinosaures. C'est celui qui a marqué la fin de la domination des thérapsides, bien qu'il y aura un petit rebond, je veux dire, il y aura de nouveau des gros dicynodontes, au moins temporairement, qu'on appellera les Canmeyeriformes. Mais rapidement, ils vont aller sur leur déclin, laissant la place aux archosaures, que seront les dinosaures et les ptérosaures dans les airs. Voilà, donc cela conclut notre aventure à la recherche de la limite Permien-Trias à Oviston. Alors évidemment, vous pouvez aussi vous demander comment on pourrait être sûr que c'est la limite Permien-Trias. Bon déjà, on va pouvoir la comparer, évidemment c'est travail en cours, donc je ne peux pas vous promettre de vous montrer ça tout de suite, mais
Donc notre étudiante Nicoline et notre mentor à tous Roger Smith, grand expert de la limite Permien-Trias, ont fait une coupe stratigraphique à travers cette façade. Et ils vont pouvoir la comparer à d'autres sections qui sont connues, notamment celle de Béthulie par exemple, ou du Lutberg Pass, qui sont beaucoup mieux connues, à travers lesquelles il y a des analyses isotopiques qui ont été faites, et les analyses isotopiques, donc on fait des petits trous comme ça, on fait des petits trous à intervalles réguliers, et puis on essaye de voir s'il y a des changements dans la géochimie de la roche, et évidemment, à la limite Permien-Trias, il y a une excursion géochimique, il y a un changement brutal de la chimie de la roche qui a lieu. Donc on est sûr dans ces sections de où se trouve la limite Permien-Trias, et juste en comparant les successions de roches ici avec les successions de roches où elle est située, on va pouvoir évidemment confirmer qu'il s'agit bien de la limite Permien-Trias. Mais Roger Smith connaît déjà tout ça. Il a tout ça dans sa tête et elle nous a déjà dit qu'il n'y a quasiment aucun doute que la limite est bien à cet endroit-là et nulle part ailleurs. Donc voilà, c'est dernier jour de terrain, dernier jour de cette aventure dans le Karoo. Après on repart à Johannesburg et puis il va falloir coucher tout ça sur papier parce que la science c'est pas seulement s'amuser sur le terrain, c'est aussi et surtout publier nos découvertes. Donc à très bientôt pour la publication.